Bonjour à tous, ici Ala, Spain Homes Maison d'Espagne. Aujourd'hui, on va vous présenter une maison individuelle sur deux étages avec cinq chambres à coucher et cinq salles de bain dans le luxueux quartier de Sierra Cortina, tout près de Benidorm, avec des magnifiques vues sur la ville, sur la mer et sur la montagne. On a un grand terrain de 647 mètres carrés et la maison est située sur 600 mètres carrés. Ici, on a une belle piscine avec jacuzzi. C'est une maison haute technologie avec toutes les technologies qui puissent exister à ce moment. On a été bien insérés dans cette maison et je vous invite à l'intérieur pour voir cette magnifique propriété. Ici, on est dans la cour. Le terrain est situé sur 647 mètres carrés. La maison est située sur 600 mètres carrés. Et on va vous présenter ici. Comme vous voyez, on a beaucoup de verdure. C'est très bien aménagé. Et par la suite, on y va devant de la maison où on va voir la piscine et la vue. Comme vous pouvez voir ici, la piscine avec la douche. Et d'ici, on voit bien la ville de Benidorm, la mer et la montagne. Le quartier de Sierra Cortina, c'est une urbanisation très luxueuse. Et comme vous voyez, c'est vraiment la maison est très bien emplacée. Elle a une grande terrasse qui peut être aménagée à votre goût. Le balcon en vitre est fait exprès pour ne pas cacher la ville, la mer. Par la suite, on vous présente l'entrée dans le terrain qui va directement au stationnement et au garage. Les matériaux utilisés sont de la meilleure qualité. La maison est neuve et construite selon les plus hauts standards. Voilà, ici on descend pour l'entrée du garage qu'on va vous présenter par la suite. L'entrée principale de la maison donne sur ce grand espace de 60 mètres carrés qui est une aire ouverte de chambre familiale et cuisine de style américain. Ici, on a la technologie de la maison qui est un interphone. On a aussi l'entrée au rez-de-chaussée. La perle de cette maison, c'est l'ascenseur. Par la suite, ici, on a la cuisine en style américain avec les électroménagers de marque Miele, qui est une marque allemande de très bonne qualité. Par la suite, vous voyez les vitres qui vont du plafond jusqu'au plancher pour ne pas cacher la belle vue de la mer et de la terrasse. Ici, on a la cheminée. Et par la suite, on a ici une autre chambre qui peut être utilisée comme une chambre à coucher ou si vous voulez, vous pouvez aménager un bureau. Cette chambre dispose de sa propre salle de bain. Celle-là, ici, c'est pour les visites, une petite buanderie. Cette chambre a 18 mètres carrés.
Toujours avec les fenêtres du plafond jusqu'au plancher pour laisser la lumière entrer. On voit d'ici bien la ville et la salle de bain dont je vous ai parlé, avec la cabine de douche. La plage de Poniente se trouve entre la plage de Levante et celle de La Cala, et ici on trouve des loisirs pour tout le monde. Des terrains de jeu pour les enfants, du volleyball sur sable, du football pour les jeunes, des plateformes flottantes. Et pour ceux qui aiment la gastronomie méditerranéenne, juste de l'autre côté de la rue, on trouve des bars, des restaurants et des hôtels pour tout le monde. On peut accéder par l'escalier ou par l'ascenseur. Ici, on a trois chambres et chacune a sa propre salle de bain. Ici, on a la chambre principale, la chambre des maîtres, qui est de 25 mètres carrés. Ici, on a le walk-in, l'armoire qui est très bien emplacée avec des matériaux de très haute qualité. Et la chambre de bain avec la cabine de douche et le baignoire. Toujours la vue sur la mer, toujours sur la ville de Benidorm. C'est très impressionnant comme cela a été construit. Et cette chambre aussi dispose de sa propre terrasse, très grande terrasse, avec les grandes fenêtres qui laissent la lumière passer. Par la suite, la deuxième chambre qui a 17 mètres carrés, toujours avec sa propre chambre, avec sa propre salle de bain, qui donne sur une autre terrasse qui est liée avec la troisième chambre. Et la salle de bain ici, avec la cabine de douche. La troisième chambre, 15 mètres carrés, un peu plus petite, mais toujours avec la chambre de la salle de bain. La vue, la terrasse est liée avec l'autre chambre. On a des armoires en bois de la meilleure qualité qui puisse exister. La maison dispose d'air climatisé central et du plancher chauffant partout dans la maison. Au sous-sol, l'escalier nous mène ici au garage. C'est un espace très grand qui peut accueillir jusqu'à 4 voitures. Par la suite, on a ici un appartement séparé avec sa propre entrée. C'est un espace de 50 mètres carrés qui a sa propre salle de bain. Et ici, on peut aménager un appartement complet avec une chambre à coucher, avec la cuisine, avec une salle familiale. Parce que l'espace nous permet de faire ça. Il y a beaucoup d'espace ici. Comme tout dans toute la maison, ici on a le plancher chauffant, on a l'air conditionné et aussi on a ici le système de purification de l'air. C'est un système très complexe qui fait que l'air,
L'air sort et entre dans la maison toujours pour avoir de l'air frais. Ici, on a la buanderie. Et par la suite, on a la chambre technique avec tout l'équipement pour le plancher chauffant, pour l'eau chaude, l'air conditionné. Après ça, au rez-de-chaussée, on trouve encore une grande chambre qui peut être aménagée comme un cinéma maison, comme une salle de gym. Ici, on a toujours l'air conditionné. Et comme vous voyez, c'est un espace très grand qui peut être bien utilisé à votre goût. Thank you.